Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo découverte de Fort Boyard édition 2022, un jeu édité par Microïd, développé par Palio Studio. C'est sorti au mois de juin 2022, mais je l'ai reçu que tout récemment, et je me suis dit, tiens, ça peut être cool de vous présenter le jeu pendant ces vacances de Noël. Il y aura aussi Le Puy du Fou, aussi édité par Microïd, qui sera là d'ici quelques jours. Nous sommes là sur un jeu party game, on va faire des mini-jeux dans le thème de Fort Boyard. Je ne sais pas si vous connaissez l'émission qui est sur France Télévisions. N'hésitez pas à me dire si vous êtes plutôt de la team à l'ancienne, quand vous préférez Fort Boyard à l'ancienne, ou maintenant ça vous plaît toujours autant. Et si oui, quelle est votre épreuve préférée? N'hésitez surtout pas, ça se joue à plusieurs. On est sur PlayStation 5, on s'est sur toutes les plateformes. Et nous voyons que nous avons un mode aventure, le mode Boyard Party pour jouer avec vos amis ou votre famille. Voilà, c'est à vous de choisir. Le mode entraînement si vous voulez tester un petit peu les épreuves pour mieux les appréhender, le voyage dans le temps et les options. Sans plus tarder, je vous laisse mettre votre petit like et puis sans plus tarder, eh bien on est parti. On va devoir choisir notre personnage. Je tiens à préciser que j'ai choisi une partie courte, c'est-à-dire que ça va durer à peu près 20 minutes. Vous avez normal 40 minutes ou une heure, une partie qui va durer une heure et ça se joue de 1 à 4 joueurs. Donc on a Maxence, Janet, Yacine, Audrey, 4 personnages où vous pouvez aléatoirement au niveau des prénoms, etc. J'ai pu modifier le prénom, le travail et la passion et pas l'aquapassion. Il s'appellera Christophe, dédicace à Sanseya bien sûr. Son travail, mannequin de pied. Et oui, c'est pas fait pour tout le monde. Et sa passion, c'est l'aquaponie. Je pense que nous sommes bien les chevaliers de la mort. Nom d'un scarabée, les candidats arrivent. Ils pensent pouvoir s'emparer de mon trésor, mais je leur réserve une petite surprise. Chacun d'eux va être soumis à différentes épreuves. À chaque victoire, ils recevront une clé. S'ils obtiennent assez de clés, ils auront accès à la salle du trésor. Mais s'ils pensent pouvoir gagner ces clés, ils se fourrent le doigt dans l'œil. On va commencer en beauté. Oh non, pas cette épreuve-là. T'inquiète, ça va aller. Je le sens pas, là. J'aime pas cette épreuve. Pense à la clé. Ok, je vais faire de mon mieux. Ça va le faire, Christophe. Allez. Première épreuve, on va quand même pas se laisser avoir. Ralentis la clé de façon à pouvoir la récupérer en lançant l'obus. Ok. Alors, chargez la puissance avec L2. Chargez la puissance, appuyez successivement. Lancez l'obus. De toute façon, on va découvrir ensemble. Et les temps de chargement, ouais, plutôt rapide. Ça me va. Alors. Je peux ralentir le temps. Ah oui, faut mettre la pression comme ça. Pas de soucis. Allez, concentre-toi. C'est bizarre leur système. Attendez. On est bon. Mais lance ton obus, Christophe. Oui, on a gagné du premier coup. Voilà, Christophe, c'est le type de personne. T'es le meilleur. Le premier ça passe pas, mais la deuxième fois, le roi bim. Turpin est et passe partout. Allez, go, la prochaine nous attend. Deuxième épreuve. À voir quand tu joues comme ça, c'est toi qui fais toutes les épreuves parce que je suis seul. Mais si vous jouez avec des amis à 4, bah chacun aura son épreuve. Va jusqu'au jackpot, récolte les pièces et reviens remplir la balance. Alors. Jambe gauche, L2. Jambe droite, c'est... Enfin, L2, vous avez compris. Gauche, droite. Gardez l'équilibre. Activez le siège, criez. Ok. Ça semble simple. Franchement, c'est bien pour l'instant. Moi, j'aime bien le type d'épreuve qu'ils ont fait. Et c'est plutôt bien réalisé. Voilà, j'en demande pas plus. Si ça m'amuse, c'est le principal. Oula, par contre, pourquoi t'es sur une chaise? What the... Ça va? Ouais, ta tête qui tourne, hein. Je te comprends. Mais... T'es pas drôle, quoi. T'es marrant, toi. Y'a rien de pire que les gens, tu vois, t'es en train de galérer, t'as qu'une envie. Allez, elle est pour toi, cette clé. T'as envie de vomir. Mais eux, ils sont là à te dire quoi faire. Parce que c'est tellement plus simple. Concentre-toi. Voilà, je pense que ça va être compliqué.
Arrête de crier. En fait, faut gérer avec le stick le fait de pas tomber. Voilà. C'est bon. Non, non. Olé. Non, on y était presque. Dépêche-toi. On avait une chance de récupérer la clé. Allez, Christophe. On a une dernière chance. Si tu la récupères pas, cours, vite, ce sera... Vite, vite. Vas-y, tu vas y arriver. Voilà, cours. Attends, voilà. Récupère les pièces. C'est bon. Je pense qu'il faut faire ça, en fait. Faut même pas chercher reviens, à comprendre. Reviens, reviens. Sors. Vite. C'est bon, on s'est pas enfermé. En fait, les c'était tout simple. Vite, il fallait juste appuyer comme un bourrin, plein de fois, plutôt que de vouloir y aller doucement. La morale de l'histoire, c'est allez-y à fond, plutôt que de faire attention. Qu'est-ce qu'elle fait, elle ? Fais gaffe, Grinaro, là. Bon, c'est encore moi. Ça devrait le faire. Bonsoir, et bienvenue dans la cage. Mister et Lady Boo n'auront aucune compassion pour vous. Les duels seront donc impitoyables. J'espère bien. T'inquiète pas que moi, les duels, ça va le faire. Alors frappez la cible avec R2, visez le centre du punching ball, ajustez la puissance avec croix. Ça me paraît simple. Après, tu comprends pourquoi il y a un mode d'entraînement dans le jeu. Éclate les ballons en frappant la cible. Ok. Faudra allez, juste c'est parti. Go, pour go, le go. Début. Oh, c'est pas mal ça. Oh, c'est pas mal. Vas-y, toi, essaye. Voilà. Niveau puissance, on a des bras. Ah oui, après, c'est qu'il faut attendre que le ballon arrive. Ah, mais c'est bon, toi, là. Tu vois rien depuis tout à l'heure. On a l'avantage pour le moment. Tu sais que j'ai pas vu qu'il y avait des ballons qui tournaient. Vas-y, tu vas y arriver. C'est bon, je suis. Alors là, c'est une arnaque. Là, j'avais bien fait tout ce qu'il fallait. Ah oui, il va réussir. C'est oh, là qu'il va... Fort. Il va nous faire la petite remontada. Allez, concentre-toi. Ouais, il est fort. C'est bon. Parfait. 2-1 pour nous. Là, il va réussir le sien. Ou pas. Et maintenant, on donne tout. Zut, j'ai appuyé beaucoup trop tôt. Je pensais que ça allait avoir le temps de revenir, mais pas du tout. Il va réussir. Oh, ça va être serré. C'est le moment final. C'est maintenant. Faut tout donner. Attention. Et voilà. La victoire, elle est pour nous. Oui, donne-nous plutôt bien tiré. Notre petite clé, s'il te plaît. Je ne vous retiens plus. Bon courage pour la suite. Merci bien, à la prochaine. Est-ce que c'est une clé ou on a gagné quelque chose ? Ouais, c'était bien une clé. Donc 2 clés sur 3, pour l'instant, ça se passe plutôt pas trop mal. Poutre jet d'eau. Arrête-toi au bon moment pour éviter les jets d'eau. Reprendre l'équilibre, encore une fois toujours avec les gâchettes. Avancer, reculer et s'accroupir. Ça paraît simple dans le principe, mais sachant que j'ai pas du tout fait le jeu, bah, on découvre. Et on essaye de... Allez, c'est parti, go! Ah oui, j'ai pas vu... Ah, les jets d'eau qui sont en dessous. Moi, je pensais que c'était des vagues qui allaient arriver vers nous. Ah, mais en fait, c'est qu'un essai. Mais c'est quoi, cette arnaque? Mais qui les avait vus, les jets d'eau? Mais personne. Ouais, vas-y, tu peux le faire. Ouais. Vas-y, tu peux le faire. T'inquiète. Mais oui, mais qui a dit faire. Qu'il y avait on des jets d'eau qui tu vas sortaient comme ça? Percute toutes les cibles dans l'ordre... En évitant les voitures adverses. Oh là 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 là. Accélérer. Bah ça me connaît. Ou ça connaît plutôt Christophe, notre personnage. Il adore tout ce qui est auto-tamponneuse. Bah ça lui ferait une belle dédicace. Percute les cibles dans l'ordre. Donc normalement il y a 3. Donc il doit avoir. Oh là là, qu'est-ce qu'il veut lui? Attention. T'inquiète. 1. C'est bon. Par contre, ouais, pas allez, facile du tout. Cette clé.
Vas-y, tu vas y arriver. Mais oui, je vais y arriver, à part si... Oh le vilain. Oh le vilain. C'est bon. Deux. Par contre, ce jeu, il est bien. Il aurait mérité d'avoir un truc plus grand. Oh, ça aurait vraiment être cool. Il nous reste du temps encore. C'est tendu, grouille-toi. Je vais te montrer ce qui est tendu. Et le 5, il est juste en face. C'est bon. La troisième clé, elle est pour nous. Voilà. C'est ça qu'on aime. T'es vraiment un as du volant. Yes. Allez, go, la prochaine nous attend. Passe-partout. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les candidats ont obtenu assez de clés pour entrer dans la salle du trésor. Heureusement, il leur reste à résoudre l'énigme du fort. Pour ça, il leur faudra des indices. On va leur proposer 4 épreuves. Chacune leur donnera un indice en cas de victoire. Mais s'ils échouent, ta-ta-ta, pas d'indice. Et sans indice, pas de trésor. Ça devrait le faire, y'a pas de souci. Méga gaffe, attrape toutes les pièces pour débloquer les indices. Alors augmenter la puissance, reprendre l'équilibre, ça c'est des jeux généralement, ça devrait pas trop poser de soucis. Mais on se rappelle que les épreuves dans l'eau, on a toujours eu du mal dans le jeu, bah, du moins on en a fait une. On a un peu galéré. Wow. Mais c'est... Comment tu veux... D'accord, voilà. Pas facile du tout à diriger, je pense. Allez, que même IRL... Allez, tu t'en sors bien. T'inquiète. Il faut vraiment être très très gentil avec son stick. Oh là. Quelqu'un, il l'a coupé au montage, il a dit toi tu parles trop. C'est bon. Ouh. Attention. Oui, je sais, je suis un peu loin. Et il en reste une petite dernière, je l'ai pas vue celle-là. Ah, c'est pas évident du tout, hein. T'as beau essayer de gérer la puissance et tout. On y va, on essaie de pas tomber. Et voilà! Bien joué! On dirait le bouffon en vert dans Spider-Man. T'es prêt? C'est pas vrai, il fallait que ça tombe sur moi. Ça va aller? Un cri de guerre pour l'encourager! Allez, on l'encourage! Les chevaliers de la mort! Ça, c'est un cri de guerre qui me plaît. Chevalier de la mort, place toutes les valises dans l'ascenseur de l'autre côté du tourniquet. Attraper de la main gauche, attraper de la main droite, se baisser, sauter. Ouh là là, pas mal de touches à retenir. J'ai déjà tout oublié. Mais on va essayer. Allez, go! Tu vois la clé? Oh là! Bien! Bien! Là, oui, parfait! T'inquiète, tout va bien. Ça va, pour le moment. J'ai compris un petit peu le fonctionnement. Aïe! T'inquiète. Bien, bien, bien! Parfait! Cette valise. Allez, c'est pas grave, relève-toi! Oui, c'est pas grave! Allez, il est pour toi cet indice! Mais oui, il est pour nous! On va récupérer les 4! Parce que moi, j'avoue, niveau indice, je suis très mauvais. C'est bien là. Voilà, on passe en dessous. Par contre, ne va pas trop lentement non plus, oui, s'il te plaît. Oui, parfait. C'est bon, on a tout récupéré. Voilà le nouvel indice. Merci, au revoir. Emmène-nous au 7e ciel. C'est ça qui est beau, regardez, il est heureux. T'as raté ta carrière de bagagiste, toi. T'es le meilleur. Allez, on se relâche pas. Oh, 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 quoi? Ils ont réussi l'épreuve? Qu'à cela ne tienne, ils n'ont pas encore gagné. Ils me diront des nouvelles de l'épreuve qui les attend à présent. Safari, fais le plein d'eau au point vert. Utilise l'eau, ok, ça n'a pas l'air bien compliqué. Pistolet à eau, tout ça. De toute façon, on est dans une voiturette. Parce qu'il y a le tigre, mais est-ce que c'est le tigre qui est en mode hologramme? Ah non. C'est... Allez, courage, ça les vrais tigres. On y va.
On va récupérer l'eau. Attention. Attention. Bah oui, mon but c'était pas de t'écraser. Je suis pas là pour ça. C'est bon. On est chargé. Là, on pourrait faire un demi-tour, mais ce qu'on va faire, c'est le tour complet. Oh là. Oh, je crois que j'ai buté un peu sur la marche. La bonne idée, t'es peut-être pas la meilleure. Enfin, pas la plus rapide. Surtout qu'on n'a pas la visibilité, on sait pas trop ce qui peut accrocher, mais normalement, ça devrait le faire. Je pense qu'en... En deux allers-retours... Pistolet. C'est bon ? Allez, il est pour toi cet indice. Ah, il nous faudra un deuxième. Je pense que ça devrait le faire. Ce sera limite. Mais ça va le faire. Attention. Attention les tigres. Mais je pense que je partirai en marche arrière juste après. À part si le tigre en question fait exprès de me bloquer le passage. Attention, c'est bientôt fini. T'inquiète, c'est bientôt fini. Mais tout va bien, regarde-moi ça. Ouais, cette solution est clairement plus rapide que l'autre. Oh non, oh non. Le tigre. Excusez-moi. Excusez-moi, monsieur le tigre. Excusez-moi. Non. Non. On est mal cadré. On y était presque. On était à un doigt d'avoir le... On était à un doigt, oui. Je sais que t'es triste. Je sais. En fait, c'est l'erreur qu'on a faite tout à l'heure de vouloir faire le tour. C'est l'heure de l'épreuve du conseil. J'ai hâte de commencer. Les candidats vont tenter de gagner du temps supplémentaire pour la salle du trésor. J'espère que les maîtres du temps sont en forme. Arbalète, envoie les flèches le plus proche du centre. Bah ça, c'est au moins, c'est clair, net et précis. Il n'y a pas besoin d'expliquer, il n'y a pas 40 000 touches à avoir. Ah, vous voici. Prenez place, votre duel va commencer. Ça, c'était mon moment préféré dans Fort Boyard à l'époque. J'adorais l'affrontement des maîtres comme ça. Attention, alors ça va se passer comment ? D'accord. Faut pas vouloir aller trop vite. De toute façon, là, il est pas du tout vers moi. On a gagné là, non ? On a 4 points tous les deux. C'est pas bon là. Après, on peut pas aller plus loin, hein, au cas où c'est des gens qui se demandent. Allez belle celle-là, bien joué. On s'est rattrapé. Vous avez comptabilisé plus de points que le maître. À un point près, hein. Ah, c'était vraiment tout proche. L'aventure, mais on a réussi. Touche à sa fin. Mais il reste une dernière épreuve. L'énigme du fort. Grâce aux indices récoltés, les candidats vont devoir tenter de trouver la solution de l'énigme. Ils peuvent aussi sacrifier du temps en salle du trésor pour obtenir des indices supplémentaires. Voyons s'ils vont trouver la solution. C'est bon, on est dans la salle du trésor, trouve la solution de l'énigme. Alors se déplacer le stick de gauche, retour à la vue principale ou ramasser les boyards. Ça me paraît pas bien compliqué. Mais par contre, on nous a pas posé la question. Ah, c'est maintenant. Main, artichaut. Bah... Le cœur, la main sur le cœur. Cœur d'artichaut. J'espère que c'est bon. Sinon, on rentrera... Bredouille. Attention. Oui, c'est bon. Allez, on récupère l'argent. Mais pousse-toi. Tu prends toute la place. Vas-y, récupère tout. Ouais, on fait ce qu'on peut, hein. Par contre, ça te dirait pas de... Voilà. On récupère un peu plus. C'est bon. On va pas ramener des 100 et des 1000. Mais le principal, c'est de participer. Vas-y. On attend de faire encore un ou deux. Vas-y, bah je passe par là. J'ai l'impression qu'il y avait beaucoup plus à récupérer ici. Voilà. Avec la musique qui va bien. J'ai qu'une envie, c'est de tout récupérer. Allez, vas-y, voilà. Ça me paraît bon. Comme ça après. Oh limite, on va même pouvoir revenir deux fois.
Elle a 50 secondes. On y va. On fait tomber aucune pièce à côté. Pas de gaspillage. C'est pour l'association qu'on fait ça. Voilà, je pique la place de chacun. Bien joué, ça. Maintenant, un peu plus. Là, il est encore à récupérer là-bas. Vas-y. Nickel. C'est bon. On aura peut-être le temps de le faire une dernière fois. Il faut faire gaffe, hein, dans ces moments-là. Hey, fais attention. Mais qu'est-ce que t'as fait? Désolé. Ah oui, tu peux être désolé. On a fait tomber des pièces, tout ce qu'on voulait pas. Tiens, je vais y aller. Je rigole. Envie de me faire avoir. Allez, on y va. Combien on a récupéré? Aventurier, merci. Comme quoi, ça vous prouve hein, que j'ai jamais fait le jeu avant. 5000... Oh non, 1000, oh ils m'ont eu. Du coup c'est 12 270. Les chevaliers de la mort. Bien joué ça. Ils sont donc parvenus à résoudre l'énigme du fort. Ma foi, je dois m'avouer vaincu. Ces candidats étaient vraiment doués. Il faudra que je pense à rendre toutes ces épreuves plus difficiles. Mes félicitations. Vous avez bien mérité ces boyards. Eh bien, merci. On aura globalement plutôt bien réussi. Il y en a perdu 350 hein, à cause de, d'être percuté. C'est bien fait, ça. Franchement, j'ai beaucoup apprécié. J'espère que vous aussi. Je répète que vous avez différentes difficultés. Facile, normale, difficile ou très difficile. Vous pouvez faire une partie courte comme la mienne. Récupérer 3 clés, 4 indices, etc. Ou une partie longue. Ça copie un petit peu ce qui se passe dans le vrai show télévisé. Je vous fais des gros bisous. Si vous voulez d'autres vidéos sur le jeu, ça sera avec grand plaisir. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis c'est tout. Allez, salut!